Bonjour et bienvenue dans la vidéo thématique des 10 livres classiques. Il y en a plus que 10, vous avez compris, il y en a 10 plus 2. Des 10 livres classiques, tout pays confondu, on va dire. Un peu dans le même modèle que les livres, que les films. Qu'est-ce que je prendrais dans ma bibliothèque s'il fallait que je parte dans 5 minutes sur une île déserte? Alors, je les pose hein, parce que je pense que je vais m'éclater la figure. Je les ai classés plus ou moins dans l'ordre dans lequel je les ai pris dans ma bibliothèque. Donc, je vais les remettre un peu comme ça. Je vous le dis tout de suite. Sinon, ça va être un peu compliqué pour vous et pour moi aussi parce que j'ai un peu fait le coup, quoi. Voilà. Donc, je vous veux juste expliquer aux petits nouveaux les thématiques une fois par mois à peu près. Le mois dernier, je l'ai loupé. Hein, voilà. Enfin, c'est celui qui devait être le mois dernier que j'ai loupé. J'essaye de faire une vidéo thématique sur quelque chose qui a trait à ce que j'aime. Alors, ça peut être de la littérature, puisque vous êtes sur une chaîne, en gros, qui parle beaucoup de livres. Mais ça peut être, par exemple, au mois de février, les 15 le film que je prendrais absolument sur une île déserte, si on me laissait 5 minutes pour choisir. Hein. J'ai bien précisé au début que c'est vous avez 5 minutes pour choisir dans votre bibliothèque, votre DVD tech, dans votre discothèque, discographie, les 10, 15 que vous prendriez sur une île déserte. Voilà, c'est le principe. Alors après, ça peut être des thématiques plus, on va dire, centré sur quelque chose d'autre. Mais c'est une façon de vous faire partager ce que j'aime. C'est-à-dire que je n'aime pas que lire et que écrire, puisque j'ai la double casquette. Mais j'aime le ciné. Quand je dis le ciné, c'est que je suis cinéphile. J'aime la musique absolument. J'ai fait très longtemps des chroniques de musique sur un webzine suisse. Je suis quand même pas mauvaise. Alors, je fais pas du tout de musique, mais je crois connaître suffisamment bien la musique. En tous les cas, sur les 50 ou 60 ou 80 dernières années, oui, je sais qui est Siberth Silva et Jean Sablon. Hein, oui, voilà. Alors là, il y en a certains qui sont évanouis en se disant, mais de qui elle parle? Voilà. La musique va, pour moi, hein, des années 20, 10-20, en France et en Allemagne, en passant par les États-Unis dès la période. Hein, donc voilà, après les années 50, 60, 70, 80. 90, 2000, et après, vous avez perdu Lisa. Il y a très, très peu de choses après pour moi. Hein. Voilà, donc en gros, je suis un dinosaure. Voilà, bref, et donc ces thématiques, c'est vraiment pour un peu développer ce que j'aime. J'ai d'autres idées hein, de thématiques. Le mois prochain, je vous le dis, parce que j'y travaille, c'est les 10 personnages, 10 ou 15 personnages, je n'ai pas encore décidé, mais 10 sûrement, des personnages de romans dont je suis tombée amoureuse. Mais style, je pourrais même tomber amoureuse dans la vie réelle s'il se présentait devant moi, le truc. Hein, donc voilà. Donc, ou que j'ai suppuré comme une dinde pendant des semaines après en disant non, mais. Voyez, donc c'est voilà, il y a, je pense que début de l'été, je vous ferai un top 10 ou top 15 des CD de ma vie, enfin des albums musicaux de ma vie. Voilà, donc je veux partager ce que j'aime parce que je n'aime pas que ça, j'aime le dessin, j'aime la mode, j'aime la photo, j'aime la peinture, etc. Donc il y a plein de choses que j'aime et dans lesquelles vraiment je survole pas, quoi, j'aime vraiment. Donc voilà, j'essaye de faire les thématiques. Et la thématique du mois dernier qui se retrouve en avril, c'était les 10 classiques, mes 10 classiques absolus, enfin les livres que j'estime être des classiques pour moi absolus, français ou étrangers. Donc, c'était sur le même principe que les films. Donc, j'avais exactement, là il y en a 10, j'avais exactement 6 minutes pour récupérer dans mes bibliothèques, dans mes affaires, les 10 livres que je prendrais sur une île déserte, sachant que je n'aurais rien d'autre à lire jusqu'à la fin de ma vie. Bon, vous me direz, j'ai 50 ans, pour peu que j'arrive jusqu'à 90, ça fait 40. Voilà. Mais imaginons que sur cette planète, sur cette île, vous êtes ad vitam
Aeternam là-bas, je me suis dit, tu prends les 10 bouquins que tu pourras relire ad nauseam sans pleurer, couiner et faire un caprice parce que tu peux rien lire d'autre. Voilà. Donc j'ai classé, quelle idée aussi. En fait, j'ai classé par rapport au moment où je les ai pris. Alors, ce n'est pas forcément mes préférés dans cet ordre-là, mais c'est ceux auxquels j'ai pensé tout de suite. C'est-à-dire que dans ma tête, je me suis mis dans les endroits où sont mes bouquins, au milieu, et je me suis dit, top, non mais sérieux, j'ai fait un top départ, top départ, et le premier que j'ai pris le premier, et le premier, c'était lui. C'est-à-dire que mon esprit s'est dirigé sur celui-là en premier, alors que je peux vous assurer que perso, voilà. Et en plus, le hasard a voulu que quand j'ai préparé ces 10, parce que ça devait être pour le mois de mars, Séverine, donc de la chaîne Il est bien ce livre, a fait un live le 3 avril. Oui, puisque je le tourne, je ne sais pas quand, quelle date on est, je sais pas. On doit être le 15 ou le 16 avril aujourd'hui. Donc voilà, donc 16. 16. Donc, le hasard a voulu que j'avais préparé cette pile-là et qu'elle fasse un live de SSFFF avec Céline Lecture, donc de la chaîne Instagram Céline Lecture, et qu'elle nous demande de passer dans l'émission avec notre livre de science-fiction, fantasy et fantastique et notre film, on va dire référence, doudou, préféré, ce qu'on veut. Et en fait, quand on en a parlé, je lui ai cité tout de suite celui-là, parce que j'aurais pu citer Wells, j'aurais pu citer Orwell, qui est, etc. Mais je ne sais pas pourquoi, celui-là est arrivé, mais alors immédiatement. Voilà. Donc, et mon esprit, peut-être, a été formaté avant. Peut-être pour ça que je lui ai répondu ça. Et encore non, parce que j'ai réfléchi, j'ai répondu. Donc, on part tout de suite, sinon on va y passer 3 heures. Alors, je ne vais pas vous les décrire. Hein. On ne fait pas, on fait pas un exposé sur les bouquins. C'est juste que je vous les montre, je vous dis juste les ressentiments que j'ai eus à chaque fois. Alors, premier que j'ai pris dans la bibliothèque. Voilà. Et puis, je fais la présentatrice. Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Seigneur. Alors, comme je vous dis, hein, Huxley, Wells, Orwell, c'est ma base. Voilà, c'est ma base de c'est ma base. C'est quand j'ai commencé à toucher à ce que nous maintenant, enfin ce que tout le monde appelle SFFF, SFFF, c'est ce que j'ai lu en premier. Ça, Dune aussi. Que je vois sortir parce qu'il y a le film qui va ressortir, mais Dune, enfin en français Dune, oui, et on va éviter de le faire à l'anglaise. Alors, Dune, voilà, c'est vraiment des romans. Alors, quand je parle de Wells, c'est tous les Wells, c'est les Huxley, même si de tous les Huxley, Contrepoint est mon préféré. Et Orwell, je préfère La ferme des animaux à 1984. Voyez, mais voilà, c'est des auteurs qui m'ont bouleversée. Moi, j'ai encore en tête, là, dans ce livre-là, la discussion entre Mustapha et le sauvage. Je ne sais pas pourquoi. J'ai ce truc qui me revient. Je ne sais pas. C'est en plus. Huxley a imaginé ce livre-là en 31, enfin écrit en 31, et il imaginait le monde 2500 avec des enfants créés par éprouvettes, enfin en tous les cas incubés, il y a un incubateur là-dedans. Et en fait, on a connu des bébés éprouvettes au début des années 80. Donc, quand vous êtes une personne de ma génération, quand vous lisez ça, et que quand vous lisez un livre de science-fiction qui est censé être en 2020, 2500, et que vous voyez des choses qui ont été annoncées, qui sont en train de se produire, et Orwell pour ça de 1984, vous qui passez votre vie sur les réseaux sociaux, qui dites bon, allez tout, hein, Big Brother, bah, Big Brother, il est ici, voilà. Et donc, ma génération, on a vu arriver ça, et on s'est dit, punaise,
Pas mal, hein? Donc, et c'est pour ça que je vous signale juste une maison d'édition qui s'appelle Le Passager Clandestin. Ils ont une petite série, enfin une collection, où ils sortent que des petites nouvelles, des short stories, généralement des articles qui ont été. Des nouvelles qui ont été diffusées dans des magazines spécialisés de FSFFF et qui datent ça va des années 40 aux années 70. Et je peux vous assurer qu'il y en a certains, c'est du réel actuel, quoi. Donc, c'est très, très. Voilà. Donc, Aldous Huxley. Donc, j'allais le faire à l'anglaise. Hein, donc, voilà, du coup. Le meilleur des mondes. Voilà. Donc, ça, c'est le premier que j'ai pris. Voilà. Vous n'allez pas dire. Le deuxième que j'ai pris. Vous êtes dit à la cité. Ben oui, je l'ai cité. Vous avez vu là. Vous avez vu l'état de la bête. Et il y a même une dédicace de mon papounet. Qu'est-ce qu'il a écrit, papounet? Attends, n'oublie pas. Oui, alors papounet, il fait des dédicaces comme ça là-dessus. Pardon. Alors, mon papounet a écrit, en fait, une référence au foot. Parce que 1984 a marqué. On va dire mes deux clubs de foot préférés, un de mon cœur absolu qui est Liverpool et l'autre on va dire, de génétiquement modifié, non mais un héritage un peu familial qui est donc l'Olympique Marseille. Et en fait, voilà, et il m'a mis, ah, ça a pu, gna gna, gna, pourvu que ça dure. Papa, quoi, voilà. Papounet, donc c'est George Orwell, 1984. 1980, c'est bon, pas connu, hein, je vous assure, il est. Voilà. Ah, les parents, je vous assure, j'avais gagné moi, j'ai tiré au loto, j'ai gagné avec mes parents, j'ai gagné au tirail et au grattage. Aucun des deux aussi sérieux. Enfin, bref. Donc, 1984, George Orwell, soit centré sur la thématique, Lisa. Bah, pareil que Huxley. Voilà, c'est The Claque quand je l'ai lu. Je dois avouer que c'est quelque chose qui. C'était un livre qu'on devait lire pendant les vacances. Parce que si Papounet a fait ça, c'est que c'était pendant les vacances. Je suis en train de chercher l'année de l'édition. Parce que ça, c'est un folio. Mais je voudrais bien savoir quand c'est qu'il a été édité, ce truc. Et pendant que je vous parle, 1987. Ouais. Je l'ai lu avant, pourtant. Marrant ça. C'est marrant parce que j'ai un souvenir. Alors, je sais pas, est-ce que je l'ai racheté? Est-ce que papa me l'a racheté? Mon papounet me l'a racheté? Parce que j'étais souvent à deux endroits différents et que j'avais besoin d'un deuxième, sûrement. Bon, enfin, bref, je l'ai fait moi en quatrième pour une fiche de lecture. Le prof nous avait détaillé ça, mais hyper bien à la rentrée, parce qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas appréhendées, surtout notamment sur les univers totalitaires, etc., sur les régimes totalitaires. Donc, c'était vachement bien foutu. Et j'avais été très marquée par ce côté Big Brother. Ce truc aseptisé quelquefois, où il y avait vraiment un côté. Alors, j'étais déjà intéressée par l'histoire, et notamment le Troisième Reich et les dictatures. Et j'étais très, très impliquée là-dedans, je me disais. Et j'ai retrouvé ce sentiment-là d'un peu d'oppression. Donc, là. Donc, c'est 1984, George Orwell. Voilà. Je sais même plus quoi dire, en fait. Parce que. Sais pas. Il y a la vache enragée aussi. J'ai hésité, j'avais la vache enragée, la ferme des animaux, et j'ai hésité entre les trois, mais bon, voilà, 1984. Troisième que j'ai pris, bon, bah, l'amour de ma vie. Hein. Voilà. Oui, ah bah, je fais ce que je peux, hein. Je vous assure, je fais vraiment ce que je peux. Donc, ça s'appelle Le Grand Môle, hein. Alain Fournier. Dois-je développer? Je pense que rien que mon sourire de Joconde débilus et mes yeux qui pétillent, je pense que vous avez capté, quoi. Voilà. Je ne sais pas. Alors, je vous renvoie, je ne sais pas où, quelque part par là, à la vidéo que j'ai faite au printemps dernier, où je faisais le top 25 de mes classiques français. Et au mois de juin, j'ai fait le top 25 de mes classiques étrangers, où je regroupais, en fait, pour moi, hein, je le dis tout de suite, pour moi, les livres classiques. Qui sont des classiques que j'ai lus
et que je pense que tout le monde devrait lire. Mais c'est mon avis perso. C'est comme, vous savez, la liste des cuisines, hein, c'est la même chose. Voilà. Je vous renvoie là pour, parce que j'ai vraiment là sur ces vidéos expliqué le contexte, le machin, pourquoi, comment, etc. Donc, voilà. Mais le grand môle, c'est juste que c'est à la fois aventure. Un roman sur l'aventure, sur l'amitié, sur l'amour, sur l'abandon, sur la trahison, sur la fidélité, sur le romanesque. Il y a la scène de bal. Wow! Bref. Et sur le côté aussi, grandir. Il y a ce côté un peu qui colle avec le prochain. Ce côté grandir, devenir adulte, mais ne pas laisser la part d'enfant et d'imaginaire s'en aller. Je le dis toujours, même aux plus jeunes autour de moi, je leur dis toujours, vous grandissez, vous devenez adulte, mais surtout, n'oubliez jamais l'enfant qui est en vous, parce que sinon, vous n'arrivez pas à évoluer. Voilà, moi, j'ai toujours j'ai ce côté, alors je pense que ça vient de mes parents, hein, j'ai un côté un peu Peter Pan, qui fait que je suis capable de m'extasier devant Winnie l'ourson et de regarder Winnie l'ourson à la télévision comme une dinde, quoi. Voilà, je couine à la façon d'un gamin de 2 ans devant Winnie l'ourson, où je vais regarder un truc et puis je vais m'extasier 25 minutes sur une fleur. Ou je veux garder ce côté un peu enfantin, parce que je trouve que si on oublie ça, c'est dommage. Voilà. J'aime dans le grand monde, j'aime ça. Puis, enfin, je sais pas, le grand monde, je sais pas. Oh là là, il y a encore une dédicace, c'est une obsession. Oui, je sais qui c'est, et ça, je ne vous la lis pas. Dit la fille qui rougit jusqu'aux oreilles. Hein. Super! Vous avez vu sa pousse derrière? Voilà. Bientôt, ça va avoir une queue de cheval. Non, non, mais c'est que les petits cheveux. Alors, vous voyez, ils sont beaucoup plus longs les autres. Alors, ceux-là, c'est tous les petits cheveux. Donc, les autres sont bien grands. Ça commence. Un jour, je vais avoir une queue de cheval. Super. Autre livre que j'ai pris. Alors, c'est le seul, c'est l'exemplaire bébé que j'ai. Parce que c'est l'exemplaire que je mettais quand j'avais des petits qui venaient des fois à la maison. C'est une collection avec un disque. C'est lu par Marlène Jobert, qui a une formidable voix de conteuse. Donc, en fait, en vérité, le roman, c'est celui de Peter Pan, hein, de Barry. Parce que je l'ai, alors je vous le dis, je l'ai en pop-up, je l'ai en livre tout joli, en vieille version, je l'ai en anglais, je l'ai, c'est pire que le petit prince chinois, je l'ai dans tout ce que vous voulez, dans la version simplissime, la version dessin animé, je l'ai, enfin dessin animé, je veux dire bande dessinée, oui je l'ai en dessin animé aussi, et je pleure à chaque fois, la dinde. Voilà, alors si vous voulez me faire pleurer devant un bouquin ou un film, enfin surtout un film, je peux pleurer devant beaucoup de films. D'ailleurs, vous avez pu vous en constater quand j'ai fait le top 15 des films, hein, en février. Je pleure assez souvent sur certains films. Alors, mettez-moi Peter Pan, quoi. Vous avez perdu Lisa. Ah, mais là, c'est la boîte de Kleenex sur les trucs. Je pleure, mais je pleure à sanglots, quoi. Quand je vous dis le côté enfant, c'est ça. Donc, Peter Pan, voilà. Quand on me l'a lu, quand j'étais petite, Peter, voilà. Moi, je voulais être clochette. Voilà. Je ne voulais pas être un garçon perdu, quoique. Mais je voulais être clochette. Parce que Wendy. Mais je voulais bien être clochette. Parce que clochette, elle est bien. C'est une emmerdeuse. Elle fait ce qu'elle veut. Elle est capricieuse. Puis elle est un peu amoureuse de Peter. Enfin, un peu beaucoup. Et puis elle aime bien embêter les autres. Puis elle papote avec tout le monde. J'aime bien clochette, j'aime bien. Lily la tigresse, c'est sympa aussi. Mais moi. Enfin, ouais, moi. Mais clochette est bien. Mais Peter, quoi. Voilà, Peter, Peter. Alors, dans la même collection, il y a La Reine des Neiges, Robin des Bois, Mary Poppins, La Petite Sirène, Pinocchio, La Princesse aux Petits Pois, Ali Baba, les 40 voleurs, La Petite Fille aux Allumettes, Podane, et il y a aussi Bambi, je crois. Bambi et Alice au Pays des Merveilles, je crois. Parce que en fait, je les avais pris donc pour les petits et j'en ai 4 ou 5 quelque part par là-bas. Mais bon, voilà, Peter. Alors, ça fait un moment que j'ai pas. Enfin, moi, je mets pas le CD, hein, vous imaginez pas. Mais c'est écrit gros, les petits, c'est pas. Bien. Pas. Donc, mais sinon, Peter Pan de donc, James Matthew Barry. Cinquième que j'ai pris. Bah oui, je me suis dit, prends une pavasse pour caler les portes.
Donc, L'île mystérieuse, Jules Verne. Alors, je peux vous assurer que j'ai lutté, parce que je les ai dans cette collection un peu vieillotte, hein, qui est un peu abîmée. Vous voyez, on voit qu'elle est vieille. Hein. Elle a morflé la bête. C'est mon bébé qui m'avait offert. C'est vieux, hein, ça doit dater de 77, 78. C'est les premiers qui m'a offert pour qu'on lise tous les deux. Voilà. Donc, le premier qu'on a lu, c'est Le Tour du monde en 80 jours. Ensemble. Après, un jour, il m'a dit, ça va, tu as 8-9 ans, tu peux lire L'île mystérieuse. Voilà. Mais j'y allais pour le voir parce que de temps en temps, il y a des choses que je ne comprenais pas tout le temps. Donc, je lui demandais. En plus, il y a des très, très belles illustrations. Voilà. Donc, je lui demandais des fois et tout. Je lui disais, oh, mais je ne comprends pas ça et tout. Donc, voilà, c'était assez sympa. C'était dense. Hein. Je crois que j'ai mis 2 étés à le lire. Mais voilà. Des trucs, y a des gens comme ça qui m'ont rappelé des trucs, Sirius, tout ça, c'est. Voilà. Mais j'ai beaucoup hésité dans les Jules Verne, parce que j'aime Jules Verne. Je trouve que c'est un formidable. Il est formidable, parce que vraiment, vous pouvez. Oh, quel voyage à chaque fois, c'est impressionnant. Et j'ai hésité longtemps avec certains autres. Mais finalement, L'île mystérieuse, c'est celui qui m'est. Que j'ai attrapé tout de suite. Voilà. J'ai dit si tu dois... voilà, imaginons vous sortez tout de suite, vous en attrapez qu'un. Hop, j'ai pas celui-là. Instinctive. Et pourtant il n'était pas devant moi. Hein, donc voilà. Donc L'île mystérieuse de Jules Verne. Moi, il m'a transporté à chaque fois. C'est ah, j'ai encore une carte postale. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai un paquebot. Le Charleroi. Qu'est-ce que je fous avec un paquebot? Dans le bouquin. Il y avait sûrement une citation qui me plaisait. Et comme j'entoure rien dans les livres, donc la petite fille que je suis a dû mettre ça, parce que c'est un bateau qui a œuvré entre 1907 et 1936. Bon, c'est un truc à mon grand-père, hein. C'est un marin. Bref, donc on ne va pas demander. On va les mettre ailleurs, hein, parce que c'est en train de faire bouger la caméra, et puis ça commence à devenir un peu lourd, et ça va s'effondrer par terre. Donc ensuite, ah mon Dieu! Alors après, j'ai pris celui-là. Vous voulez me faire pleurer? Ah mon Dieu, il y a encore une dédicace. Il y a une dédicace, je vous assure, hein, qui date de 1982. Alors, on ne me l'a pas acheté en 82. Hein, voilà. Mais la personne a fait référence à un truc en 82. Donc, pour vous dire que ça date. Hein. Donc, c'est Jude l'Obscur de Thomas Hardy. Alors, vous voyez qu'il y a Cate Blanchett et donc Christopher Eccleston. C'est ça? Chris Eccleston. Parce que, effectivement, il y a eu une adaptation de ce livre-là, donc de Thomas Hardy, au cinéma qui s'appelle Jude. Je crois que ça s'appelle juste Jude. C'est l'histoire en fait de Jude et de sa cousine Sue qui vont en fait qui sont mal mariés. Enfin, lui il est mal marié d'abord. Elle est mariée avec un homme qui est pas méchant en soi-même, mais voilà, ils vont se rencontrer. C'est des cousins un peu éloignés. Ils vont se rencontrer pour une circonstance et ils vont tomber follement amoureux. Mais bon, à cette époque, ça se fait pas. Ils sont mariés, donc ils peuvent pas divorcer. En tous les cas, lui, il lui a pas dit qu'il était marié, donc elle va le découvrir après. Il y a une histoire. Ils s'échappent, ils font leur vie, ils ont des enfants. Enfin, et il y a des scènes, mais bouleversantes. Il y a une scène qui m'a pris aux tripes. Je pense que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps ce jour-là. La fin est atomique, hein, faut le dire tout de suite. Dire, moi, j'ai failli. Je pense que je vais crever un jour avec ce livre. Voilà. Mais c'est quand même un. Franchement, c'est un livre tellement magnifique. Ça parle d'amour, mais ça parle de pardon, enfin d'essayer de pardonner quelque chose et à quelqu'un. C'est voilà. Alors la couverture, honnêtement, est très belle. Alors outre que Cate Blanchett, alors Kate Winslet dans ce rôle, elle est. Je vous dis juste la scène moi qui m'avait bouleversée à l'écrit. Elle l'a jouée d'une telle manière que elle m'a, mais j'ai été obligée je l'avais vu au cinéma, et au cinéma, j'avais été, comment dire? Alors, outre le fait que j'avais été bouleversée, mais j'avais été,
comment dire, j'avais eu tellement le cœur serré que j'étais à deux doigts de sortir de la salle tellement elle m'avait serré le cœur, quoi. C'était très étonnant. Et bon, bref, elle est lumineuse, hein, dans le film. Alors voilà, c'est vraiment très beau. C'est un livre magnifique écrit par Thomas Hardy. Excusez-moi, ça suffit maintenant. Alors, ceux qui connaissent Thomas Hardy autrement, je pense que tout le monde connaît Tess Tuberville. Voilà. C'est pour ça. Mais moi, c'est mon préféré de Hardy. Donc, bref. Autre livre que j'ai pris. Alors là, je me suis dit, bon. Alors, il était un peu plus haut. Quand je l'ai vu, je fais, hop, 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 toi, tu viens sur l'île déserte. Voilà, parce que tant qu'à faire, hein, seul sur une île déserte, on va faire les liaisons dangereuses. Ça nous occupera 2 minutes. Donc, de Codario de la Clos. Ah, voilà. Alors, c'est encore un texte que je me suis amusée à faire à l'école aussi, que nous avons fait dans la classe. On a fait des scénettes en classe. On a beaucoup ri. On a beaucoup, beaucoup ri. Je ne dirais même pas quel rôle j'avais, hein. Il y en a qui vont se... bon, il y en a qui vont douter. La prof, elle ne m'a pas loupé. Donc, du coup, elle m'avait dit, bah, ça, c'est un rôle pour vous, hein? J'ai dit, bah, non, pas vraiment, mais je vais m'adapter. Voilà. Donc, voilà. Mais j'adore. La langue, la perversité, mais la beauté de cet amour aussi un peu tordu, mais beau quand même, hein, faut dire. Il y a quand même une des plus belles déclarations d'amour entre deux gens assez tordus, quand même, une des plus belles déclarations d'amour. Un garçon qui m'écrit ces mots-là, il est sûr de m'avoir, hein, je vous le dis. Alors, je ne vous dirai pas quel est le passage, il faudra le chercher. Mais non, merde, il y en a deux ou trois qui savent. Mais bon. Mais ils n'ont pas osé me les envoyer, mais ils le savent. Voilà, donc Connard le lac, je me suis dit que bon, les liaisons dangereuses, ça serait pas mal à relire. Et puis pff, je sais pas, non, c'est un, je sais pas, c'est une langue qui est magnifique. Enfin, c'est écrit tellement, tellement, c'est tellement beau. Enfin, je sais même pas, tu vois, c'est ce genre de bouquin quand vous êtes auteur modeste comme moi. Anonyme, vous vous dites, quand vous lisez ça, vous dites, t'arrêtes d'écrire, arrête. Cherche pas, non mais arrête, ça sert à rien, tu laisse tomber, t'arriveras jamais à faire ça. Voilà, donc c'est tout l'intérêt de toujours séparer la lectrice et le lecteur de si vous êtes auteur, vous aussi, d'être auteur, parce que sinon vous arrêtez immédiatement d'écrire, hein, je vous le dis. Faut pas être lecteur si vous êtes auteur, sérieux, sinon vous allez dire, ah putain, je suis nulle. De toute façon, on dit toujours qu'on est nul. Donc, autre livre. Alors, celui-là, je dois avouer que je pense que je m'en suis jamais séparée depuis la première fois où je l'ai lu. Je m'entends dans le sens où à chaque fois j'ai dû partir ou que j'ai résidé, il y a un exemplaire. Et alors, je ne dis pas que je le relis à chaque fois. Ce n'est pas du tout ça. Parce que je pense que je ne l'ai pas relu depuis un moment. Enfin, je ne sais pas depuis quand je l'ai relu, en fait, exactement celui-là. Je ne pense pas que dans cet exemplaire-là, il y a une dédicace ou quelque chose qui m'indique à quel moment il a été. Je l'ai lu. Je regarde. Hein, non. Je sais qu'il était dans la bibliothèque familiale parce que je crois qu'il a été publié en 51, je crois. Et donc, il était dans une édition des années 50, ça j'en suis sûre. Mais celui-là, je l'ai depuis un moment. Je ne sais pas, peut-être qu'il a daté des années 90, hein, peut-être, ce poche. Voilà. Je parle de Le silence de la mer de Vercors. Je ne sais même pas quoi dire sur ce livre-là, parce que vous voyez la taille, quoi. Voilà. Vous vous dites que quelquefois, il ne faut pas beaucoup de mots pour bouleverser quelqu'un. Alors peut-être que la thématique me parle aussi, hein, voilà, de ce soldat allemand, mais je ne sais pas, ça fait partie des livres qui marquent, mais qui marquent profondément. Voilà. C'est pour ça que je me suis dit sur une île déserte de le relire de temps en temps, en plus le silence de la mer, pour faire, enfin, faire des jeux de mots sur une île déserte, silence de la mer. Je me suis dit, bah ouais, tant qu'à faire. Surtout que la mer, c'est pas silencieux, hein, avec les reflux.
L'océan, surtout parce que la mer Méditerranée, ça fait pas trop de bruit. Alors oui, si c'est une île déserte, hein, pitié dans l'océan, avec les marées, voyez, les trucs qui vont, qui viennent. C'est la mer, ça sent rien du tout. Je vis autour de, à côté de la mer, hein. Donc moi, pour moi, la mer, quand je dis je vais à la mer, j'aime la mer, c'est l'océan. Je vais à l'océan, j'aime l'océan. Vous savez, l'iode, le truc qui bouge et tout, là, ça bouge pas. Sauf quand il y a du vent, sinon c'est plat. C'est une mer d'huile, hein, c'est chiant. C'est très beau, hein, arrêtez. Mais non, non, sérieux, c'est beau, mais je préfère l'océan. Voilà, donc le silence de la mer de Vercors, moi, je sais pas. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, je sais pas, je pourrais pas vous expliquer pourquoi j'ai été révolutionnée par ce bouquin quand je l'ai lu que je l'ai traîné partout, dans tous les endroits. Je pense que je sais pas, j'ai souvenance que je crois que c'est un des rares avec le Grand Maulne et celui qui vient après. Bah non, en fait, ouais, c'est ça, avec ceux qui viennent après, parce que ouais, il y a les 10 et puis il y en a deux qui manquent. Celui qui vient après? Non, le suivant, enfin le dernier du top 10, ouais, c'est ceux que j'ai le plus dans ma bibliothèque partout. Je vais y arriver. 9, alors, pour ceux qui n'arrêtent pas de dire que je ne suis pas romantique, hein, et que je n'aime pas les histoires d'amour, machin, etc., et alors vous allez vous dire, c'est une histoire d'amour qui finit mal. Comme chante Rita Mistuku, les histoires d'amour, ça finit mal en général. Hein. Donc, voilà, histoire d'art, quoi. Voilà. Oui, alors je l'ai dans l'édition toute petite, machin, toute fine, parce qu'à l'école, on nous faisait acheter ça. Parce que c'était accessible pour tout le monde. Je crois que ça coûtait. À l'écoute, ça, eh ben voilà, ça coûtait 10 francs à l'époque. Vous voyez? Voilà. Donc en gros, 1 euro, 1,50 €. Voilà. Donc c'était accessible pour tout le monde, toutes les bourses. Donc ils nous faisaient lire ça parce que c'était pas la peine d'acheter des trucs à 40 euros pour les gens qui ne pouvaient pas se permettre. Enfin, 40 francs. Voilà. Oui, parce qu'à l'époque, les livres ne coûtaient pas aussi cher. Je vous rappelle que mettre 20 euros dans un bouquin, voilà, on aurait peut-être réfléchi à deux fois avant de mettre 20 euros dans un bouquin. Donc voilà, Shakespeare, Roméo et Juliette. Non, mais moi, ça m'énerve, parce que, en fait, celui-là, alors celui-là, c'est la version, la photo que vous voyez là, c'est la version de Zeffirelli, version filmée de Roméo et Juliette de Zeffirelli. Je sais, en fait, j'ai lu beaucoup de Shakespeare, je ne dirais pas que j'ai lu tous les Shakespeare, c'est pas vrai, mais j'ai lu beaucoup, 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 beaucoup de Shakespeare, hein, ça je vous le dis. Si vous avez vu les si vous avez vu les itemis, je parle de The Crown, la série où il y a les rois anglais qui sont issus des pièces de Shakespeare, donc Henri IV, Henri VI, Richard II, Richard III, etc. Œuvre principale de Shakespeare, 2 minutes interlude. Alors, j'ai lu. Non mais allez-y quoi. Roméo et Juliette, lu Hamlet ou lu Othello, oui, la mégère Vibrivasoé, oui, le roi Lear, oui, Macbeth, oui, le songe d'une nuit d'été, oui, oh, je l'aime, celui-là, j'aurais pu l'avoir, je ne l'ai pas? Comment ça, je ne l'ai pas? Je ne l'ai pas à la maison, hein, le songe d'une nuit d'été? Oh mon Dieu, je n'ai pas songe d'une nuit d'été à la maison. Je peux m'ouvrir les veines tout de suite, il faut que j'aille à la librairie, je vais chercher ça. Ensuite, les joyeuses commères de Windsor. Non, je l'ai pas lu je l'ai lu partiellement. La tempête, oui, Jules César, oui, Antoine et Cléopâtre, non. Le soir des rois, non. Corélian, non. Titus Andronicus, oui. Henri V, oui. Henri VI, oui. Richard II, Richard III, oui. Le marchand de Venise, j'adore, oui. Les deux gentilshommes de Vérone, oui. Beaucoup de bruit pour rien. Oui, si vous ne voulez pas le lire, regardez le film tiré de The Beaucoup de bruit pour rien. Fait par Kenneth Branagh. Texte au cordeau, un peu comme le Roméo et Juliette de Baz Luhrmann avec Claire Danes et Leonardo DiCaprio, où il respecte le texte de Shakespeare. Beaucoup de bruit pour rien de Kenneth Branagh, il respecte le texte de Shakespeare à la pointe. Et il y a lui, Emma Thompson, Robert Sean, non. Robert Sean Leonard, qui était dans le cercle des poètes disparus, c'était la grande mode de le mettre partout, et il y a Keanu Reeves. Ah bah oui, on se rappelle de tout. Personne
Peine d'amour perdue, non. Comme il vous plaira, non. La comédie des erreurs, oui. Le conte d'hiver, oui. Cybéline, non. Les deux nobles cousins, non. La nuit des rois, oui. Et les sonnets, oui. Ah, ben putain, j'en ai eu pas mal, pardon. Enfin, j'en fous. Ah, mais j'en ai eu pas mal, finalement. C'est pas mal, ça. Oh, je suis contente. Voilà, Roméo et Juliette. Alors, histoire d'amour, on est au courant. Roméo aime Juliette. Ils sont deux familles qui ne s'aiment pas, qui se détestent, qui se haïssent pour la nuit du temps. Oui, il y a une variation de lumière parce que le soleil vient de passer de l'autre côté de la maison. J'adore. Voilà, donc maintenant, j'ai une teinte orangée. C'est chiant, bon, mais c'est pas grave. Hein. Vous garderez ma tête orangée. Je me décale parce que, en fait, la lumière donne de ce côté. Donc, je vais me décaler, bougez pas. Parce que comme ça, j'aurai peut-être un peu moins la tronche orange. Oui, j'avais vraiment la tête orange. J'ai vraiment la tête orange, là. Donc, voilà. C'est un livre... Enfin, c'est une histoire d'amour triste. Enfin, triste... Bon, il avait quand même un peu à vérifier qu'elle n'était pas crevée aussi. Hein. Puis avant de se... il aurait pu attendre 2, 3 minutes. Enfin, je ne sais pas. Enfin, bref, bon, ils sont amoureux fous, ils sont jeunes, ils sont idéalistes, ils pensent qu'ils vont révolutionner le monde encore. Et puis, bon, ils ne pensent pas. Hein. Donc, voilà. Et magnifique. Voilà. C'est le genre d'histoire d'amour. Alors, vous allez me dire, elle n'aime que les histoires d'amour tristes. Non, mais j'aime les histoires romanesques. J'aime pas les trucs bleuettes. J'aime pas la romance à 2 sous, à 2 francs 6 sous, la romance nunuche que vous voyez arriver à 25 km, qui vous gave à un point que c'est inimaginable. J'aime le romanesque. Par exemple, c'est pour ça que dans Jane Austen, j'aime Persuasion, parce que c'est pas une histoire d'amour facile. Vous voyez pas arriver l'histoire à 25 km. Vous savez même pas si ça va finir bien ou non. À un moment donné, vous vous doutez parce que Jane Austen, ça finit toujours à peu près bien. Mais voilà. Mais j'aime les histoires romanesques. Et Roméo et Juliette, dans la langue de Shakespeare, enfin dans les bouches de William, hein, dans les mots de William, je ne sais pas. Enfin, alors, je ne déclame pas parce que je suis nulle. Hein, ou alors, il faudrait vraiment que je m'y remette parce que, oui, je veux bien, j'ai fait du théâtre à l'école, mais enfin, bon, pas exagérément. Mais c'est une merveille, quoi. Vous voyez, là, je suis en train de vous parler, je lis en diagonale certaines phrases et j'ai envie de hurler, de les déclamer sur le balcon. Donc, on se calme. Je pense que cette vidéo thématique va partir en biberine, comme disait ma maman. Allez, Roméo et Juliette, Shakespeare. Et le dernier que j'ai pris de la liste, et les deux autres, je ne les ai pas ici, je les ai dans la maison familiale, donc c'est pour ça que je ne peux pas vous les montrer, mais je vous les citerai, parce que sinon je les aurais mis. Hein. Alors, c'est La Princesse de Clèves, de Madame Lafayette. Oh mon Dieu, je l'ai fait en troisième. Donc, j'avais pas tout à fait 14 ans. Oh mon Dieu, il y a encore un mot. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a des gens qui me mettent des mots dans les bouquins? Oh, c'était ça. Oh, c'est mignon. C'était mon chéri de l'époque. Oh, il a souligné un mot en faisant des petits cœurs à côté et son nom. C'est pas mignon. Oui, je sais. Vous voyez, quand je vous dis que je suis un peu midi, j'ai un côté un peu midinette. Bah ouais, c'est les souvenirs. Vous verrez quand vous serez vieux, vous aussi, vous couinerez quand vous verrez un de vos fiancés qui vous envoyait des petits mots. Surtout que, à mon avis, il a sûrement rien compris au bouquin à l'époque. Il était un peu trop omnibilé par le fait qu'il voulait absolument être capitaine de l'équipe de foot. Et ok. Donc voilà. La Princesse de Clèves. Je sais pas pourquoi, en fait. Parce que je trouve que c'est. Je trouve que cette espèce d'amour un peu restreint, un peu... ouais, on parlait d'amour, comment dire, romanesque. Ça rentre dans le cadre. Voilà. Donc, sur l'île déserte, en fait, je vais lire que des trucs qui vont me faire pleurer ou qui vont me faire regretter de ne pas avoir un crétin sur l'île pour lui dire « Regarde, regarde, regarde ce que c'est !» Bon, alors, prévoir un garçon sur l'île. Voilà. Je pouvais faire une thématique. Les 10 garçons que j'amènerai sur une île déserte. Pas les 10 personnages, les 10 garçons. Enfin, par exemple, les 10 acteurs. Ou les 10 acteurs ou chanteurs. Putain, je pourrais faire ça. Oh, ça vous intéresse? Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse. Je vous fais les 10 ou les 15 garçons que j'emmène sur une île déserte. Acteurs, chanteurs, artistes confondus. Même pas artistes d'ailleurs. Enfin, des gens connus, hein, pas mon voisin de palier, que j'emmènerai pas. Même s'il est bricoleur, il est gentil, mais je ne vais pas l'amener. Puis en plus, madame ne voudra pas me le prêter. Elle est gentille aussi, en plus.
Non, mais je suis pour la paix des ménages. Mais qui j'amènerais sur une... Ah, je note. Ça va m'amuser. Ça va m'amuser. Voilà. Et les deux derniers que je ne vous montre pas et que je vous cite juste, un, c'est Les âmes mortes de Nicolas Gogol, que je l'aime. Voilà, je l'aime. Je pourrais prendre Guerre et Paix de Tolstoï ou n'importe quel Dostoïevski. Voilà, mais non, mais Gogol, quoi. Mais Gogol, quoi. Mais voilà, Nicolas Gogol, mais Les âmes mortes, mais. Voilà. Et l'autre que j'ai noté, c'est Patrick Süskind. Süskind, c'est Le parfum. Parce que je suis sortie de ce roman-là abasourdie. Je crois qu'il n'y a pas d'autre. Parce que j'avais qu'une seule envie, c'était de prendre dans mes bras Grenouille, quoi. Non, mais là. Non, je vous dis que j'ai un problème sérieux. Voilà, donc non, non, mais sérieux, je suis sortie de ce livre-là. C'était tellement ambigu les sentiments que vous pouvez avoir envers ce personnage. Qui est affreux, hein, enfin, ça... vous ne voulez pas le croiser au coin de la rue, hein, mais je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui vous pousse vers ce garçon. Enfin, c'est d'être complètement débile, quoi. Hein, voilà. Mais voilà, donc ça, c'est tous les bouquins. Alors, je vais essayer de les reprendre. Sans faire tout tomber, parce que je pense que oh putain, ce soleil, en fait, c'est horrible. J'aime pas le soleil, en fait, parce que vous voyez, ça me fout une tête de citrouille, en fait. Ah. Oh, la référence! Super. Voilà, donc ça, c'est les 10 livres que j'amènerai. J'essaye de vous les montrer bien comme il faut. Les 10 livres que j'amènerai sur une île déserte si je devais partir en vitesse, tout de suite, sur une île déserte. C'est mes 10 essentiels. C'est mes. Voilà. Après, je ne vous cache pas que quand je les ai levés, j'en ai vu d'autres. Hein. Bon, il y en a beaucoup dans les cartons, je dois dire. Et je sais qu'il y en a pas mal aussi dans la maison familiale. Et après, je me dis, ah, et celui-là, ah, et celui-là, ah, et celui-là, ah, et celui-là. Donc, en fait, en gros, il me faut un cargo. Hein. Donc, si je peux être sponsorisée par CMACG. Si je vais sur l'île, hein, parce que entre les DVD, les CD et les bouquins, il me faut un cargo. Il me faut un container. Hein. Vous vous démerdez comme vous voulez, les mecs. Hein. Il me faut un container. Parce que je partirai pas qu'avec 10 de chaque. Hein. De toute façon, je vais couiner. Alors, sinon, je demanderai du ravitaillement. De temps en temps, il me largue un container. Fille qui commence à faire des arrangements. Voilà. Donc ça, c'était mes 10. Quels sont vos 10? Allez, dites-moi quels sont vos 10 livres sans tricher. Comme ça, de prime abord, là, vous avez la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dans les commentaires et vous, sans réfléchir, les 10, de toute façon, les 10 premiers que vous allez venir, qui vont venir, c'est les 10 que vous voulez absolument. Voilà, c'est pas. Vous allez réfléchir peut-être une minute ou deux, mais en gros, vous allez tout de suite arriver, quoi. C'est comme si je vous dis quels sont les 5 groupes que vous aimez absolument et que vous écouterez jusqu'à la fin de votre vie. Vous n'allez pas me citer un groupe de boys band que vous avez aimé quand vous aviez 10 ans. Hein, voilà, donc vous allez citer le truc qui peut vous faire vivre toute votre vie avec ça. Voilà, donc allez, citez-moi les 10, c'est marrant. Et si vous voulez mon top 15 des garçons que j'amène sur une île déserte, et par préférence, hein, par préférence, du 15 au 1, c'est-à-dire à celui que c'est pas négociable, je l'amène. Dites-moi-le aussi dans les commentaires. Je pense que je vais beaucoup me marrer à le faire. Je vais faire les. Je sens que ça va être. Je vais le faire cet été. Je vous jure, si vous voulez le faire, si vous voulez que je vous le fasse, je vous le fais pour le juillet. On sera en vacances et personne ne regardera la vidéo, j'aurai beaucoup moins honte. Surtout que je sais absolument qui est le premier. Je suis en pour parler pour le 2 et le 3. Je ne sais pas si je vais inverser le 2 et le 3. Oh mon Dieu, non, je ne peux pas inverser le 2 et le 3. En fait, c'est vers le 4, je vais avoir du mal. Quoi que le 4. Ah, je ne sais pas. Allez, je vous laisse parce que sinon, je suis capable de blablater pendant une demi-heure. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Et faites attention à vous. C'est toujours pas fini, cette merde. Faites attention, faites attention, faites attention. Sinon, on en est là pour Noël. Hein. On y va jusqu'à Noël avec cette merde. Alors moi, je m'en fous, mais cette année, Noël, c'est open bar à Ibiza. Enfin, pas Ibiza, mais voilà. Je veux pas être enfermée, je veux aller voir mes potes.
Je veux aller voir mes potes en Dordogne, je veux les embrasser, je veux leur faire des bisous, je veux voir mes bébés, enfin mes petites, mes potes, je veux voir mes merveilles, je veux leur faire des bisous. Et puis je veux lire des choses avec Léa aussi. Allez, bisous. Et avec ma nièce, mais je peux pas lire des trucs avec ma nièce, elle est à juste nez, elle ne sait pas lire. Mais quand elle va savoir lire, elle va être emmerdante, Tata Lisa. Bisous. Oui, elle est toujours si dingue.